Primevert. Primevert. 30 ans, ça se fait. 2016. Medialab. Primevert. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, bienvenue. Tu vas nous parler de ton association. C'est ça. Donc moi, je suis salariée au sein de l'association LESA, Lien Enseignement Sens et Autonomie. Et on travaille autour de deux grands axes, à savoir l'éco-construction et la biodiversité domestique. Et aujourd'hui, je vais vous parler principalement de notre thématique éco-construction. Donc notre asso développe de la recherche scientifique autour du matériau terre et du matériau paille, de la formation professionnelle et de l'animation pédagogique autour de grands principes d'éco-construction. D'accord. Et votre association, elle est située où ? Donc on est basé à Éour, dans les Hautes-Alpes. D'accord. Et votre, votre axe principal de transmission, c'est lequel ? Alors, on a développé un outil qui s'appelle le village des lutins. Oui. Donc, on construit des maisons en terre avec les enfants en transmettant des techniques de travail de la terre qui sont utilisées de nos jours pour construire des maisons. Donc, on leur permet de découvrir le pisé, l'adobe, le torchis et la dernière, c'est la bauge. Oui. Donc au travers d'un village grandeur nature de lutins d'à peu près 50 mètres carrés. Donc les enfants sont invités à mélanger les matériaux, enfin les fabriquer, construire les maisons et à développer tout cet imaginaire autour de cette thématique. Donc ils sont à la fois dans une approche de savoir-faire et aussi une approche ludique. Ludique carrément. On essaie de privilégier au maximum une pédagogie active où les enfants construisent leur savoir en même temps qu'ils construisent leur maison. Donc ils sont vraiment acteurs et on développe aussi une pédagogie basée sur, sur les sensations, sur les sens, enfin la sensorielle. Oui, la sensibilité aux matériaux. C'est ça. Donc les enfants peuvent toucher, sentir, mélanger, construire, ce qui leur permet d'intégrer beaucoup plus aussi la matière. Et vous travaillez avec, vous intervenez dans quelle structure où les enfants viennent à vous ? Comment ça se déroule l'approche avec les enfants ? Alors on travaille principalement avec des écoles et des centres périscolaires. On travaille également dans des foires comme ici ou dans des événements grand public. Voilà les deux axes principaux qu'on essaie de développer. Et vous avez aussi un domaine, donc l'éco-construction, les plantes. Et les plantes aussi, il y a une transmission avec les enfants On dispense aussi des animations autour des arbres fruitiers et des plantes sauvages. Où, ce qui relie toutes ces thématiques au sein de notre association, c'est la cueillette. La cueillette pour se loger, pour se nourrir, pour se soigner. Et autour des plantes sauvages et des arbres fruitiers, on dispense des animations de reconnaissance de plantes sauvages, apprendre à les identifier, à les cueillir et à les utiliser au travers de recettes ou de préparations de baumes médicinaux, des cosmétiques. Et on apprend aussi aux enfants la reproduction sexuée et asexuée des arbres, avec notamment la greffe sur fruitier. Très bien. Donc en fait, ils peuvent pratiquer eux-mêmes ensuite une greffe d'arbre et puis développer, avoir de l'attention sur la plante. C'est ça. Voilà. Toujours en privilégiant des méthodes de pédagogie active. Donc les enfants sont immergés dans la nature et autour souvent d'une trame féerique ou d'une trame qui stimule l'imaginaire. Les enfants découvrent, apprennent et pratiquent sur le terrain. Et au niveau des plantes... C'est peut-être pas évident pour tout le monde de concevoir ce que c'est que des plantes pour se loger. Alors les plantes pour se loger, il existe énormément de matériaux autour de nous qui permettent de construire, donc notamment la terre, qu'on peut retrouver sous forme argileuse ou forme plus compacte. On peut aussi cueillir du saule, donc qui est le matériau principal pour l'osier, et donc créer avec des enfants des armatures de cabanes en saule qu'on recouvre de terre, de la paille, de la sciure, des végétaux. Donc il existe énormément de choses. À la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur aussi. Intérieur, extérieur. L'intérieur. Et des matériaux qui sont également utilisés pour des constructions humaines, grandeur nature, qui permettent de se loger. Là, l'idée, c'est de permettre aux enfants d'appréhender
le matériau comme possibilité de l'utiliser pour de la construction. Et j'imagine que ça les sensibilise à un autre rapport à l'habitat. Clairement. C'est le but. Oui. Et on développe aussi des animations pour les adolescents où les ados peuvent partir une journée avec nous, récolter ces fameux matériaux en pleine nature et construire des cabanes grandeur nature, donc sur un format beaucoup plus important. Donc là, ils réalisent un peu leur rêve. C'est ça. Une cabane faite par ses mains dans la nature. Et vous intervenez aussi avec des centres de vacances, des écoles? Centres de vacances, colos, centres de loisirs également. Donc on peut adapter nos formules en fonction du public, du nombre de jours nécessaires. Et vous êtes combien d'intervenants ? Alors moi, je suis la référente intervenante. Oui. Et il y a quelques services civiques qui gravitent autour de notre association qui interviennent en accompagnement de nos animations. Bon, bah, très bien. Merci pour cette interview et de votre rien. Présentation. Merci. 30 ans, ça se fête. 2016. Media Lab. Prime Vert.